Albert. Nous avons pris 15 minutes sur son temps. Tunabeba dakika 15 wakati yake. Il le récupère. Ata ikomboa ile wakati yake. Il prendra le temps nécessaire pour nous. Atachukua wakati yenye kufai njoo kutupatia neno la Mungu. Tunalamkia kanisa mungina na Bwana wetu Yesu Kristo. Je passe par la grâce de Dieu. Na waza kwa neema ya Mungu. Tunaweza kumaliza na hii tungu yulu ya mwisho ya vitu vyote. Kuna masalamu ilikuja fasha kwa chama. Anduku na badada barikusalimia mchina na Bwana wetu Yesu Kristo. Tusimame bila kukawia. Tukupaka mwandiko yetu ile wa Petro wa kwanza sura yake ya ine mstari yake ya saba. Mwisho wa vitu vyote ni karibu. Mwebashi na hekima na kiasi ili mukeshe katika malombi. Naomba waburuma mama aliye juu mbinguni, mumbaji wa vitu vyote na mkombozi wetu, tunasema kabisa asante, ili kupendeza tuhesabiwe katikati ya walio mazima. Ni wakati kuna watu wanatafuta chini ya mabulongo kwa sababu kulikuwa kutetemeka kwa udongo. Kuna wale wako mbitanda katika hospitali. Kuna hata wale washo mambo lakini wako gerezani. Afu kwetu sisi umetupatia hii uhuru kukusanyika mujina lako kusikiliza neno lako. Bwana, ushesabiwe kile tuko. Angaria damu ulimwanga ile siko pa Kalvari, ile damu ikuna uwezo wote kurumia mazambi zetu na kutusafisha na uovu wote. Tukama na Bwana utupokeye, ushiriki pamoja nasi wakati neno lako itanenwa. Assiste moi qui vais devoir parler. On essaie de mimi tasema. Assiste mon frère qui interprète. Saidi ndugu yangu kona geuza. Visite chaque frère, visite chaque sœur. Bonjour à tous. Tembelea kila ndugu na tembelea kila dada. Que ta main toute puissante puisse nous accompagner dans ce service. Mkono yako ya uwezo itushindikize mu hii kazi. Du début à la fin. Tangia mwanzo mpaka mwisho. Notre joie. Juu ya furaha yetu. Ta gloire. Na joie utukufu yako. En ton nom glorieux du Seigneur sauveur. Jela kwa utukufu ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir. Unawezi kuketi. Réellement la fin de toutes choses est proche. Ya kweli mwisho ya vitu vyote ni karibu. Ceux qui nous ont suivis depuis le mercredi. Ale bari tufuata tangia kastatu. Comprenez bien que cette terre n'a plus de lendemain. Wanaelewa vizuri kama hii dunia haina na kesho. Comme disait une fois Frère Franck. Kama vile ndugu Franck alikuwa akisema mara moja. Nous vivons dans un temps. Nous vivons dans un temps. Tukunaishi mwakati.
où tout peut arriver n'importe quand. C'est pourquoi, en tant que croyant, Christ nous demande à tous d'être prêt. Parce que personne ne connaît les jours. Nous parlons des signes. Mais personne ne connaît les jours. Tout peut se précipiter. Comme Frère Branham l'a toujours dit, ce qui soutient aussi Frère Franck, les jours de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de prophéties s'étaient accomplies ces jours-là. Donc, tout peut se précipiter. Et il est à notre avantage d'être prêt. Amen. Amen. Nous avons vu que réellement nous sommes au bord de la troisième guerre mondiale. Celle que la Bible nomme la guerre de l'Armageddon. Certes, il n'y a que quatre guerres mondiales. La première qui a eu en 1914-1918. La deuxième guerre mondiale en 1945. Et la troisième guerre que nous attendons, la troisième guerre mondiale. Mais elle ne trouvera pas l'épouse sur la terre. L'épouse sera déjà enlevée. C'est le but de ce message. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Il y aura une quatrième guerre mondiale. Sera après le millénium. Celle que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Il est Bible il a dit ça même vite à Gog et Magog. Et vendredi j'ai beaucoup insisté. La castano nilikazi chazaidi. Parlant de la fin de ce monde. Kasembe ya mambo ya mwisho wa hii dunia hii. Il me fait même moi c'est maintenant que je comprends que c'est la fin du monde. Bantu kuyangata na mimi ni hapa sasa mimi naelewa maana ya mwisho dunia ni kusema. Malgré les décennies de ministère, c'est maintenant que je comprends la fin du monde. La fin est proche. Et sa fin arrivera exactement comme a été la fin de Jérusalem. Abraham fait le parallélisme entre Ézéchiel 9 et Apocalypse 7. Et là, le vendredi, j'ai beaucoup insisté. Quand vous devez comparer les instruments de destruction, ce qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, ce qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, comparativement à ce que nous avons aujourd'hui, cette terre n'a plus de lendemain. Il y a eu des guerres dans l'histoire du monde. Les gens allaient à la guerre avec des lances, des flèches. Même tous les grands conquérants et l'histoire a retenu comme Napoléon Bonaparte.
Alléluia. Amen. Alexandre le Grand. Ça va, Alexandre le Grand. Tous ces gens allaient en guerre avec des boucliers, des lances. Allez, monte, par quoi n'est-ce pas vite dans mon gabo, dans ma michale. Montez sur des chevaux. Par quoi n'a pas d'ailleurs ma pharmacie. Mais aujourd'hui. Afouléo. La troisième guerre. Vite à tatou. Du monde entier. Yadunia otemzima. Donc ça ne concerne pas seulement la Russie. Ayangare tupaka Russie. Ça ne concerne pas seulement l'Amérique. Ayangare tupaka Amérika. Une guerre mondiale. Vite ya ulimwengu otemzima. Où l'Inde se retrouve. Où l'Inde na yekumulenda. Même le Pakistan la bombe atomique. Ata Pakistan de la bombe atomique. La Corée du Nord. Corée du Nord, la Chine. Nous sommes à la fin. Tukonjo nikumu. Oui, mes frères. Dio Bandukuyangu. Et cela va arriver bientôt. Il est mambo, il t'a fait sasaivi. Pour beaucoup qui n'étaient pas là pendant la semaine. Je vous lis juste une citation. Du baume en Galade. Une prédication de Frère Branham. Prêché le 7 juillet 59. Le 7 juillet 1959. Au paragraphe 10. Fungulake la kumi. Au milieu du paragraphe. Et puis, Kisha, dans ces dernières heures de la fin de l'histoire du monde, oui, ya mwisho, réellement, nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde. Alors que le monde du Tibre sous l'impact du péché, et que les bombes à hydrogène et les bombes atomiques, la bombe atomique, sont entre les mains des païens, des incroyants impies qui pourrait détruire le monde entier en quelques secondes. Alléluia, c'est notre science moderne qui le dit. Il est minime une. Oh Seigneur, réveille les hommes et les femmes. Ouvre tes ministres. Seigneur, homme de flamme de feu, faisons leur dernier appel. Le signe du dernier jour. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas ma déclaration. C'est la déclaration du prophète de l'âge. Ce monde peut voler en éclat quelques secondes. Amen. Amen. Et ça sera fini. Nakuta kwa basi na malizika. Ça sera fini. Itakuwa ndio mwisho yenye. Nous avons lu le prophète Malachi. Tous sommes nabi Malachi. Le jour vient. Siko iko inakuja. Ce jour est ardent comme une fournaise. Et tous les pécheurs seront réduits en sang. Le feu là. Il est mort. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est ainsi dit le Seigneur de la Bible. Nous avons lu Sophonie. Nous avons lu Esaïe. Tu vas jusqu'à dire, Dieu rendra les hommes rares sur la terre. Ils seront rares comme l'or d'Ophir. C'est le jour de la colère de Dieu. C'est le jour du jugement de Dieu. Ce jour est proche. Il est siku ni karibu.
Et Malachi 4. La Malachi Iné nous a été envoyé. Allez tout ma quête. Reconnaissant le temps. Mungu mwenye kujua wakati. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est matami tumia Élie anabi. Avant que ce jour grand et redoutable n'arrive. Bela siku ile mukubwa na kuogopesha ifike. Il ramènera le cœur. Atarudisha moyo. À les têtes. Apana bitu apana. Le cœur, Boyo, les enfants, leur père, nous devons retourner à la foi apostolique. Pas la foi du message, pas dans n'importe quelle foi, la foi de la Pentecôte. Amen. Amen. Et si nous obéissons à ce message, Dieu nous enlèvera. Il nous mettra à l'abri avant que ce jour ardent arrive. Cela est devenu tellement réel. Oui, mes frères. Même si on ne comprenait pas les événements modernes, à la lumière de la prophétie, si on considère ce que les anciens prophètes ont dit, tout devient clair. Oui. Dio. Je disais. Le mercredi. Si quoi castato. Ne doutez pas. Parce que tout ce qui a un commencement, il est né kalaka na mwanjo, forcément une fin. Akika iko na mwisho. Il y a eu le royaume de Babylone. Avec le roi Nabucodonosor. Son fils a hérité du trône. Belshazzar. Comme le royaume de Babylone avait commencé. En l'an 606. Ce royaume a connu sa fin. Il est au falme, mais il n'est pas au mouche. Et là nous étions. En 536. Alléluia. Amen. Il y a eu le royaume des Mèdes et des Perses. Il a commencé en l'an 536. Et en l'an 330, ce royaume a pris fin. Le royaume grec a commencé. Avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. De l'an 330 à l'an 30. Pas à moi qu'à 330, pas qu'à moi qu'à 30. Bien qu'Alexandre c'était un grand conquérant. Attaquant la Alexandre, il a conquis le monde comme un éclair. Ce royaume aussi a connu sa fin. Il n'est pas tombé chez Yaki. L'empire grec a laissé la place à l'empire romain. Il y a chafasi quoi empire romain qui a commencé. Il y a ça. À l'an 30 avant Jésus-Christ. Et qui continue jusqu'à ce jour. Et ce royaume aussi est à sa fin. Amen. Amen. Rome a commencé avec des rois païens comme Jules César. Rome a réagi dans ma famille, ma pagano, comme un ville. Jules César. Robuste, comme robuste. Il y en avait beaucoup. Malgré cela. Ataïne ôte. La Rome païenne est passée. Roma qui pagano il y pita. Laissez la place à la Rome papale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la Rome papale. C'est là que je voudrais insister aujourd'hui. Là aussi, la fin est proche. La fin est proche. Oui, chaud, ni caribou. J'étais venu une fois ici. Il y a comme la moja ou apa. Avec des images à l'appui. Na ma picha
Nous avons parlé de la prophétie de Malachi. Pas Malachi de la Bible. Ce Malachi, c'est un prêtre catholique. Oui, Malachi ni padre moja wa katolika. Qui a écrit sa prophétie au 12e siècle. Arandikaka unabi yake mu 12e siècle. Et cette prophétie s'est accomplie au cours de l'histoire. Et cette prophétie concernait la succession des papes. Amen. Amen. La succession des papes. Ça s'est avéré vrai dans l'Église catholique. Parfois c'est troublant. On doit considérer une prophétie qui vient de l'Église catholique. Mais comprenez bien les sept âges de l'Église. Dieu a rejeté cette Église en l'an 1520. C'est là que Dieu rejette cette église. Donc le monde a katala il est kanisa. Suscite Martin Luther. Anamulamusha Martin Luther. Qui est venu avec la réformation. Alikuja na kutengeneza bitu. Qui est venu avec le message de la justification. Alikuja na ujumbe ya kuhesabiwa kuwa haki. Depuis lors, Dieu a abandonné cette église, c'était fini. Tangia pale mungu akachina ile kanisa, basi ilikuwa imemalizika. Même quand Luther est mort. Hata wakati Luther alikufa. Les luthériens se sont organisés. Na ba luthériens banajifanya kuwa kanisa. Ils sont devenus aussi une dénomination. Anakuwa dini. Dieu est obligé de susciter notre messager. Mungu alipasha alamushe mjumbe mwingine. John Wesley. Ça veut dire avant 1520. Il y avait encore des prophètes dans cette église. Pourquoi tel manabi mwingine mwile kanisa? Comme Malachi. Sawa Malachi. Et si nous en parlons? Kama tunasemea. C'est parce que frère Franck en a parlé. Ndugu Frank na yeye alisemeaka. C'est lui qui avait réveillé notre esprit sur cette prophétie. Et dans la lettre succulaire de numéro 61. Cette lettre est écrite en février 2007. Nous sommes au milieu de la lettre circulaire. Et là, on montre toutes les effigies des papes. Selon eux, le premier pape c'est Pierre. Papa Kwanza ni Petro. Mais jamais Pierre n'a été à Rome. Lakini Petro ayafikaka mu Roma hata mara moja. Celui qui a été à Rome c'est Paul. Ula alikuwa mu Roma ni Paul. Et Paul était célibataire comme le pape. Paul alikuwa mbalaka kama vile pape na yeye ni mbalaka. Mais Pierre n'était pas célibataire. Lakini Petro yeye ashikwa mbalaka pana. Il était marié. Petro alikuwa esha kuoa. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont pris Pierre? Afujua nini barumubeba Petro? Façon de se légitimer. Pourquoi pour faire kutipatia halali? Parce que Christ avait laissé les clés du royaume à Pierre. Christ aliachiliaka funguo ya ufalme. Et en poursuivant ces clés-là, ils ont désigné Pierre comme leur premier pape. Et si on laisse les choses telles qu'elles sont, dans la prophétie de Malachi, il n'y a que 266 papes. 266. Et le pape Benoît XVI qui est mort dernièrement. Pape Benoît XVI a le koufa parce qu'il a démissionné. Ariachakakazi. Ce pape était le 265e. Où le pape Benoît XVI a le quoi 265e?
son successeur devait être le 266e et le dernier. Le dernier est déjà là. Je vous lis, frère Franck. Na wa somme anduku Franck. En l'an 1138. Mwaka 1138. Donc au milieu des criminels croisades. Katia mauaji ya vita ki Kristo. Le prêtre irlandais. Patri wa mu Irlande. Malachi. Jinalake Malachi. Prédique après le pape de son temps. Anatangura kusema mbele aseme nyuma ya pape ya wakati wake. Qui était Innocent II. Alikuwa jinalake Innocent II. Les autres l'appellent Célestin II. Mengine wana mwita aseme Célestin II. Il viendrait encore 103 papes. Kuta kuyaka tena ma pape 103. Si bien que jusqu'à la fin des temps, il n'aurait eu en tout 266 papes. 266. Le Vatican croissait là. Vatican inéchiqué le membre de cette ville. Et en conséquence, il a publié officiellement ses médaillons avec 266 cadres. Aritangazi le médaillon, na ma cadre yake, ma picha 266. Tous les papes y sont représentés. Ma pape bote, mouille ma tableau, mais pour le dan. Y compris Benoît XVI. Changa, mon Benoît XVI. Lui, le 265e pape. Le pape, quoi, numéro 265. Il veut régner. Ali Pacha Koutawala. Alors que tout tourne autour de Jérusalem comme un cyclone. Ma katiote, qu'on a Zunguluka, kando kando, y a Jérusalem, akama vilain peuple, qu'on Zunguluka. Ainsi est-il dit dans la prédiction. Anel. Dans cette prédiction, il est désigné comme le pape de la paix. La Gloria Oliveira. Gloria Oliveira. Amen. Amen. Après celui-ci. Nous après Benoît XVI. Nous Benoît XVI. Après le 265e. Nous 265e. Devait venir le dernier de tous. Pour pas chakouya sasa, wa mwisho kubote bale papa. Moi je crois cela. Nini na mini ile. Le dernier de tous. Wa mwisho kubote papa. Amen. Amen. Qui mettra de nouveau sur la, sa tête Ataweka Athena. Atavoile Athena Patito Yake. La tiare avec l'inscription Vicarius Filidei. Le chapeau yake, mais je crois que c'est Vicarius Filidei. Et qui conduira toutes les religions mondiales à l'écuménisme. Atahongosa. Apocalyptique. Makanisa yote ya ulimwengu muzima mu ekuménisme ya kumwisho. Amen. Amen. Lui conduira. Yatahongosa. Toutes les religions mondiales. À l'écuménisme apocalyptique prédit. La dernière tiare qui fut faite en 1963. Où le pape Paul VI. Le pape Paul VI. Se trouve à Washington. Il n'a pas tiqué par le Washington. Qui s'étonnerait si le prochain pape venait des États-Unis. Comme pape où la ouïe atafouata atatoke un peu comme les États-Unis. Nous sommes en 2007. Il est sans tout comme moi qu'en 2007. Alléluia. Amen. Et quand nous avions lu ça, c'est alors que nous avons compris qu'il y avait une prophétie de Malachi. Donc le pape qui était actuel en ces temps-là, était l'avant-dernier. Donc après lui, mon successeur serait le dernier. Ou la tambou combo la basse, tu as d'accord au moins chaud.
Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Mwisho wa vitu vyote ni karibu. Même la fin de Rome. Ata mwisho ya Roma. L'enfin de l'Empire romain. Mwisho ya ufalme ya Kiroma. La fin de la papauté. Mwisho ya kipapa. La fin du catholicisme romain. Mwisho ya kikatolika romain. Est proche. Nayo pia ni karibu. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Dio banduku yangu. Alors, un temps après, ce Franck écrit sa brochure Information Globale. Donc Franck a dit que la brochure est Information Globale. Éclaircissement d'en haut. Na, éclaircissement est metto kachou. Alléluia. Amen. Mwangaza ya djou. Éclaircissement d'en haut. Et je me suis toujours posé la question comment il a même réuni ce titre. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes à la page 9. Il reprend la même pensée. Juste le dernier paragraphe. Écoutez bien. La pensée a aussi été exprimée que Benoît XVI, le 265e pape, le 265e pape restera en charge seulement pour une brève période. Amen. Amen. Cette pensée a été exprimée que Benoît XVI resterait à son siège là-bas pour une brève période. Jusque là, personne ne pensait que Benoît XVI démissionnerait. Mais la prophétie pouvait déjà prédire qu'il resterait en charge pour une brève période. En d'autres termes, il n'ira pas jusqu'à la fin de son pontificat. Vous me suivez? Le pape de la paix. Papa wa salama. Gloria Oliveira. Gloria Oliveira. Qui veut dire la gloire de l'olivier. Il appelle que c'est ma utokufu ya muzeituni olivier. Devait rester en activité lorsque la paix serait établie entre les Arabes et les Juifs. Wakati salama itaweka katikati ya Baarabu na Bayuda. Amen. Amen. Aujourd'hui, Léo, on parle des accords d'Abraham. Alléluia. Amen. Un rapprochement entre Juifs et Arabes. Aujourd'hui, même le Soudan du Nord, un pays musulman qui avait même gardé Ben Laden. C'est un pays musulman extrémiste. Il est en train d'adhérer aussi aux accords d'Abraham. Il a travaillé dessus. Et même l'actuel continue à travailler dessus. Après lui. Après Benoît XVI. Un seul viendra en un seul. Si vous me dites par exemple, mais si il mourait, moi je crois ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai même pas raisonné. Après Benoît XVI, un seul viendra encore. Pierre le Romain. Et en latin, on l'appelle Petrus Romanus. Petrus Romanus.
qui sera de nouveau couronné de la tiare? Pour t'as écrit sur elle, Vicarius Filidei. Attends, vu quand il est le chapeau, il est eu le manandi, que c'est Vicarius Filidei. Dont la valeur donne le nombre 666. Il est veillé à Kenaleta et Saabu 666. C'est dans Apocalypse 13, verset 18. Et quand il y a un fou, nous l'avons commis la tâte, nous l'avons commis. Dans la basilique nationale. Oui, les basiliques nationales. De l'Immaculée Conception à Washington. L'Immaculée Conception par Washington. La tiare de Paul VI. Il est chapeau, il est à papa, il y a Paul VI. Et l'attraction des touristes. Et une grande source de revenus. Na il est chapeau, il est une grande source de revenus. Amen. Amen. Le 266e pape. Où le 266e pape? Écoutez bien cette déclaration. Une fois que vous aurez le 266e pape. Où le 266e pape devrait être le dernier. Arriba Chanjo. Avec lequel les événements des temps de la fin, y compris la destruction de Rome, selon Apocalypse 18, devait trouver leur accomplissement. Amen. Amen. Franck en parle. Beaucoup Franck en a ici. Dans sa lettre qui est numéro 61. Il y a une pensée qui développe dans cette brochure. Et brochure. Et tout cela a été tiré de la prophétie de Malachi. Il est l'autre, mais il est l'autre. On a bien le padre Malachi. Rome va être détruite. Roma est à Pomoléwa. Et le 266e doit être là quand Rome va être détruite. Ou le 266e pape n'a pas chaque fois parlé. Wakati Roma est à Pomoléwa. Terminons d'abord ceci. Tumalizeni kwanza hii. Auparavant. Bele. Doit encore avoir lieu la proclamation. On n'a pas chaque fois kutangaza. Maintenant, c'est la paix et la sécurité. Sasa ni salama, sasa ni ukingo. C'est que Daniel chapitre 9 a appelé l'alliance de sept ans. Qui est Daniel sur la catisse alita seme angano yamiakasaba. Cette alliance doit être signée. Il est angano malapasha maweke saini. Quand ça sera signé, le monde entier criera pépé et salama salama na ukingo. Et les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5 dit. Quand ils crieront paix, paix et sûreté, une ruine soudain les surprendra tous. Et ils n'échapperont pas. Ça sera comme les douleurs de l'enfant. Dio. Le processus de paix mondiale. Il est ma patane la salama ya ulumengo muzima. S'accomplira dans peu de temps. Itatimilika wakati chache. Avec succès. Na maendeleo. Par un compromis sur Jérusalem. Patana yulu ya mamu na ngare ya musalama. Entre Israël et les pays arabes. Katikati ya Israël na maincha ki arabu. Par un traité romain. Kupika ile ma patane ya kiroma. Comme le traité d'Oslo. Quand vit le traité ya Oslo. J'avais bien prévu. Il sera conclu pour 7 ans. Il y avait un traité d'Oslo. C'était signé. Mais ça avait échoué. Lakini il shindwaka. Amen. Amen. Et ce traité doit encore être ressigné. Il est ma patane. Charditena, Bayweka Saïdi Malengine. Parce que qui est guerre en Ukraine. Même si cette guerre s'étendait à l'Europe. Ata il invite la Zambalala Mumulaya.
Même si quelques nations européennes peuvent s'impliquer, ce n'est pas encore la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale. La bombe de discorde sera Jérusalem. Exactement comme dit la Bible. Dans Zacharie chapitre 12. Et Dieu qui parle, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples et toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Donc c'est quoi les gens appel troisième guerre mondiale. C'est seulement la peur des armes nucléaires qui existent. Amen. Amen. Avec tout ce qu'il y a eu. Pour Poutine, il dit, non, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Tout commencera sérieusement quand le nucléaire va être utilisé. Maintenant, de part et d'autre, tous sont en train de s'exercer. Ils s'épient la puissance qu'ils ont. Alléluia. Amen. Mais la guerre elle-même, c'est quand les chars russes seront aux portes de Jérusalem. Amen. Amen. Nous parlons sur le 266e pape, qui est aussi le dernier. Alléluia. Amen. Benoît XVI était le 265e. Benoît XVI, il y a le courant ou le 265e. Et c'est dans Information Globale. Information Globale. Que Frère Franck va nous pointer. John Duke Frank. Déclaration de Frère Branham faite en 53. Chantez à. Il est mis en train de Branham, à l'issemakayo, mon mois 1954. Il donne la date. C'était le 19 décembre 54. Il croit 19 décembre 1954. Et quand nous avons cherché la brochure, c'était sa prédication sur les actes du Saint-Esprit. Il croit ma obéria que Yuluya matendo ya Rome takatifu. C'est là qu'il fait cette déclaration que Frère Franck reprend à la page 11. Il ont la prédication elle-même. Tout semaine basi ma les actes du Saint-Esprit. Matendo ya Rome takatifu. Le 19. 19. Décembre 54. Décembre 1954. Au paragraphe 87. Frère Branham avait déjà prédit ça. Donc Branham a le kouyaké, je suis en train de dire. Je pense que l'un de ces glorieux jours, Frère Branham pensait, ce n'était pas que Dieu le lui avait dit. Parce que je me rappelle quand j'étais en Ndola, quand le pape François a été élu, étonnamment, ce n'était pas quelqu'un des États-Unis, d'une manière géographique, non, mais quelqu'un qui vient de l'Amérique.
beaucoup de femmes m'avaient téléphoné. Je viendrai des États-Unis. Ce n'était pas le ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur. Littéralement tel que c'était dit. Mais dans cette prédication, on lui dit, je crois. Amen. Amen. J'insiste sur ça. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Alors, on formera une image à la bête. Amen. Le nouveau pape. Oui, pape à Sassa. Le 266e. Sorti des États-Unis. Il est venu de l'Amérique. L'Argentine. Et nous devons vraiment louer Dieu pour ça. Parce que nous sommes en 1954. Il est ça. Tout comme moi, 1954. Vous savez. Munajua. La tradition romaine. Historia qui Roma. C'est pas n'importe quelle nationalité pouvait accéder à la papauté. Aina taifa yoyote hii pashwa ingie mukiti ya papa hapana. La loi, la règle, il faut être romain. Sheria ni afazari ukua unatokea ku Roma. Si j'ai bonne mémoire, si vous prenez Paul VI, c'était un Romain. Paul VI, Romain. Avant lui, il y avait Jean 23. Pourquoi Jean 23, Romain. Et même quand Paul VI meurt, Jean-Paul Ier, c'était un Romain. Romain. Là, j'étais à Lubumbashi. Je crois Zani. En 86. Mwaka 1986. En 87, je n'ai plus de mémoire. En 87, au Kumbusho Muzuri, je comprends pas. C'est un Romain. Alors quoi, Romain? Imaginez, mes frères. Moi, j'ai ni belle bande kuya. Jusqu'en cette année-là. Kufika na mwile mwaka ile. Avant cela. En 1954, Abraham pouvait avoir une vision proche. Qu'un pape sortirait d'une autre nation. C'était inimaginable. Quand Jean-Paul Ier meurt, il n'a fait que 30 jours. Jean-Paul II qui va lui succéder. C'est le premier pape à ne pas être romain. Lui, c'était un Polonais. Jean-Paul II a quoi? En Pologne. Il a voyagé beaucoup. Il a sillonné dans le monde. Après lui, il y a eu Rosa Kua. C'est qui encore? Jean-Paul II, c'est Benoît XVI. Après Jean-Paul II, Benoît XVI. Qui est un Allemand. Il est à la Tokyo en Allemagne. Ça veut dire même un Américain pouvait être pape.
Benoît XVI démissionne. Benoît XVI anacha kazi yake bo papa. Ce jour-là, j'étais à Likasi. Il est si connu le quoi Mulikasi. J'avais invité Frère Mbuyu qui était encore à Bunkeya. On était à Ndoko Mbuyu, à quoi il garde que Bunkeya. Rencontre à Likasi, on avait des entretiens à faire. Likasi, tout le quoi la mazungu muzi kufanya. Et nous étions logés chez Musée Kimé. Tout le quoi logé Musée Kimé. Notre chambre était derrière là-bas. Chambre tout le quoi coule Numa Kumisho Chini. Toute la journée. Il n'y avait pas de courant. Vers 14h, le courant est revenu. Courant est arrivé. J'ai dit à Fembouyou, montons au salon pour aller un peu suivre les informations. Nous sommes allés là, on a ouvert l'écran, on a la télévision, mais on continue encore à parler. Moi je parlais encore. C'est lui qui a vu le premier. Il me dit, brada, Benoît XVI a démissionné. Benoît XVI, alors tu vas me quoi? Quoi? Tu tires ça d'où? Il m'a emboulé, on est au chayouapi. Les écrits qui défilent au bas de l'écran. Il m'a baro et qu'on a pita. Il m'a dit qu'on a pita chine à l'écran. Et là, j'étais attentif. Parlez ça, ça n'a pas tibou. Et j'ai lu. Nassoma. Benoît XVI vient de démissionner. Benoît XVI, alors toi, comme quoi tu as quasi. Pourquoi nous étions le 15 février. Ça ne tourne pas, nous t'arrêtons. 15 février. 2013. Vaca 2013. Ce sont des dates que je n'oublie pas. Ni m'attarde, je t'as savoir kata. Bien que la mémoire accuse maintenant de faiblesse. Ata, au kumbusho, il n'a pas de quoi ça s'en a matin. Kizo. Alors. Ça, ça. Vous avez commencé à trembler. Tu commences à goûter tes mecs. C'était l'avant-dernier. Il peut même le vouloir avant-dernier. Et si tu as démissionné, c'est pourquoi on tremble. Comment les choses vont être? Et à l'instant là-bas, il y avait une édition spéciale. Parlez pas de quoi? Édition spéciale. C'est sur France 24. Il est quoi? Sur France 24. Et il était là à lire son discours. À quoi parler? Et qu'on a somme au Tubayaki. Nous avons suivi. Une fois. Et dans son discours. Namomu Tubayaki. Il dit le 28 février. À la semaine, le 28 février. Je dois quitter le Vatican. Il n'a pas choqué tant comme au Vatican. Je dois laisser le Saint-Siège libre. Il n'a pas choqué tant que tu t'as gâté. Wazi. Afin que l'Église se choisisse un autre pape. Ivikanisa, yoye ili chakurie papa mwingine. J'ai secoué la tête. Nikatengesha kichwa. On a continué à attendre et à observer. Tuendelea kuchunga na kutazama. Effectivement. Na kabisa kabisa. Le 28 février 1913. Le 28 février 1913. Le cortège est sorti le soir. Cortège. Yo, il est là, toi, comme Mangaribu, comme Vatican. Lentement. Pole, pole. On allait se diriger dans un couvent quelque part. Yo, il est né dans Kuingia, mon couvent. Fâche Fulani. Pendant que j'ai secoué la tête. Wakati, il n'y a pas d'attaque, Chakichwa. Réellement, il a mis en exécution sa démission. Y'a quoi, la République Chicha? Moupangouyaki, y'a quoi, Chakas? Libérer le Saint-Siège. Anacha, il est Saint-Siège. Vous savez, mais là, tu vois, ce jour-là, il est chic ou il est soir, il est mangaribi, il est le Lubumbashi avait des cortèges de voitures. Pour le Lubumbashi, pourquoi n'y a-t-il pas de fouatana? Pim, 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 boucan à Lubumbashi, Makelele, pour le Lubumbashi. Pour le tonneriste. Tchaba, tonneriste. C'était le 50e anniversaire de la nuée. Il y a 50e anniversaire, ya wingu. Là, ce sont des distractions. Il est ni de Kulenga Misha. Le message, c'est pas faire du boucan. Ujumbe, si vous faites makelele makelele. Le christianisme. Du Christ. Une expérience personnelle. Ni onja, ya kila mutu banu wake binafsi. Oui.
Dio. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pendant qu'ils sont distraits avec ça. Benoît XVI quitte le Vatican. Maintenant, qu'est-ce qui allait advenir après? Ce jour-là, Moïse Masiku est en Zambie. Mais nous suivions toujours les informations. Le 10 mars. Le 10 mars. Pour les cardinaux du monde entier commencent à venir au Vatican. Les 11, ils venaient toujours. Oh, le 11 mars. Au soir du 11, tous les cardinaux étaient là. Le 11 mars, les cardinaux étaient là. Il y avait même des cardinaux africains qui avaient trouvé la candidature. Les cardinaux étaient là pour l'Afrique. Il pensait que cette fois-ci, on pouvait avoir un pape noir. Pourquoi? Parce que dans la prophétie de Malachi, il était parlé d'un pape caput nigrum. Qui signifie tête noire. Et s'inspirant de ça, ils ont aussi l'audace de poser leur candidature. Caput nigrum. Caput nigrum. Tête noire. Ça ne signifie pas pape noir. Ce n'est pas pape Béouchi. Non, non, non. Napana. Caput nigrum. Caput nigrum. Signifie jésuite. Nikusema jésuite. L'ordre des jésuites. Alléluia. Amen. Jésuite. Avec jésuite. Qu'est-ce qu'un jésuite? Jésuite, Ninani. C'est l'ordre que Ignace de Loyola avait fondé. L'ordre Ignace de Loyola, tu as tout le monde l'ordre des jésuites. Pourquoi? Parce qu'avec le protestantisme, protestanti. Qu'avait commencé. Et Martin Luther. Yazakana Martin Luther. Les Jean Calvin, les Jean Hus. Jean Calvin, Jean Hus. La papauté s'était tellement affaiblie. Le pape, qui est sur le point de tomber. Comment sauver la papauté? C'est lui, Ignace de Loyola. Il est de fonder cet ordre. Il est ordre des jésuites. Il est à la jésuite. Comme il y a les dominicains. Il y a les dominicains. Il y a les franciscains. Na gazanika. Ce sont des choses que nous commençons à oublier. Les catholiques. Alléluia. Amen. Et pour être jésuite. Pour être jésuite. Vous devriez forcément avoir 3-4 doctorats. Pour pas choper ou pas ma doctorat. Pas de licence. À part ma licence à part. Comme ici chez nous, licencié, oh j'ai terminé. On a pas de licence, c'est ma chambre qui est échappée, on n'a pas de licence, moi. Vous êtes docteur en anthropologie. Docteur en anthropologie. Docteur en sociologie. Docteur en sociologie. Docteur en économie. Docteur en économie. Docteur en sciences. Docteur en flan. Là, on vous admet. Pas les assassins. On a de Jésus. On a dit, ça veut dire quoi? Ce sont des hommes extrêmement intelligents. Ce sont des érudits. Alléluia. Amen. De telle manière, quand vous commencez à discuter avec eux, même si vous avez le Saint-Esprit, ils peuvent vous convaincre.
Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'ils nous ont sauvé un peu la papauté. Et depuis que cet ordre a commencé, aucun jésuite n'avait jamais été pape. Akuna jésuite atamoya aneshaka ingemutisa mu papa. Et le premier jésuite à être pape, c'est le François ici. Wa kwanza jésuite kuya papa ni uyu François. C'est pourquoi avec lui les traités romains sur Jérusalem est possible. Il a toute la capacité de convaincre les juifs, de convaincre les arabes. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Frère, tous les cardinaux étaient là. Les cardinaux montent. Pourquoi pas le Vatican? Le 12. Le 12. Le vote a commencé. Vote inanja. Toute la journée. Si vous êtes musulman, il n'y avait que la fumée noire. Pourquoi pas qu'à moche mouéouchi? Ça veut dire qu'on n'avait pas trouvé de pape. Et vous savez, à ma compata que pape. Et tard la nuit, ils se sont dispersés. La bouchikou, kisha, manaza malala. Le 13 mars. Le 13 mars. Tous sont revenus encore pour voter. Le vote a pris toute la journée. Tard le soir. Ça pouvait être autour de 21h. C'est alors qu'il y a eu la fumée blanche. Et tous les croyants catholiques qui étaient dans la cour. Nous avons acclamé, prié. Le pape a été trouvé. Mais quel pape? Le 266e. Et la prophétie de Malachi, on l'appelle Petrus Romanus. Petrus Romanus. Le Pierre le Romain. Petro ou Roma. Amen. Amen. Et comme ça avait commencé avec Pierre. Ça voulait dans Zakana Petro. C'est en train de se terminer avec Pierre. Ikomu kumalizika na Petro. Le temps est très, très, très avancé. Wakati imetofa sana. Que Dieu vous ouvre les yeux. Mungu amifungulie macho. Que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer maintenant. Pate kuona mambo kani ikunatendeka hapa sasa. Alléluia. Amen. Et lui-même quand il vient à son balcon. Ye mwenyewe papa pale anatokelea pale yule pa balcon yake. Pour se présenter à ses croyants. Adioneshe mbele ya waamini wake. Lui qui venait d'être élu. Ye oule malatoke mukumuchakula. C'est lui qui demande aux croyants et dit priez pour moi. Niye anomba ba nifu ba keseme munyombe miye. Juste cette phrase. Il est tout misemo tout. C'était comme pour dire il comprenait quelle était sa responsabilité. Il kocha kusema alikuwa naelewa majudi yake yeye ilikuwa majudi kani. Alléluia. Amen. C'était tard. Kwa wakati napita. Le 14. Le 14. Son premier jour de pontificat. Siku yake ya kwanza. Il va d'abord dans la basilique de la Sainte Vierge Immaculée. Oui, la basilique Sainte Vierge Immaculée. Pour aller vénérer la Sainte Vierge Marie. Il a prié, prié, prié. Quand il termine là, un détail très important.
Dans cette basilique. Oui, les basiliques, il est Sainte Vierge Immaculée. Il est basilique Sainte Vierge Immaculée. Il y avait toutes ces effigies des papes. Pourquoi il est ma picha yote, mais il panga ya ba papa. C'est collé au mur. Madaweka mukubumbashi. Et na? Il ne restait plus qu'une seule place vide. Kurubaki a tout. Fashi moya apakwa photo apam. Et les commentateurs dans ces documentaires-là. Ah, c'est Madi, oui, les documentaires, il est. Il dit, il est allé dans cette basilique. Ah, c'est Arienda, oui, les basiliques, il est. Comme pour aller combler la place vide qui était restée. Et de Eneche, il est fâché à photo vite à Pakwa Moutou. Yé, Eneche, pour. Il n'y a plus de place vide pour des effigies d'autres papes. Akuna tena fâché, wazi, joua ma picha, yaba papa bengina apana. Il s'est confirmé que c'est le dernier. Il n'y a qu'il choua se bebashi. C'est difficile de le dire, mais c'est une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est infini. Mais c'est lui qui nous a donné cette parole. Et c'est la parole que nous répétons. Oui. Dio. Il entre dans cette basilique-là. Il vénère la Vierge Marie. Bikira Maria. Il sort de là. Comme pour dire lui aussi combler le vide qui était resté. Donc c'est maintenant anenesha il est photo il est consacré à Dieu. Et il va dans une autre chapelle. Anenda mukakanisa kengine kadoko. Là où était gardé la momie du pape Sixte V. Mule njoba na chunga kama iti ya ule pape Sixte V. Sixte V. Qui lui dans la prophétie de Malachi. Ye ule. Mule unabia ule Malachi. Est nommé le milieu de l'axe. Bana mwita seme, to katikati ya axe. Amen. Et là, voilà, c'est bon. S'il est réellement le milieu de l'axe, donc des célestins de à lui, donc célestin de oui, Koufikia na ye, et de 65 à la fin, donc 65 na kumwisho, tout peut prendre fin en l'an 2033. Yote inawezi kuonekana inafika kumwisho mu mwaka 2033. Aujourd'hui nous sommes en 2023. Leo tuko mu 2023. Donc il ne reste plus que 10 ans. Ndako nabekia tu miaka tu 10. Quand vous regardez en arrière, kama nangaria nyuma, vous êtes conscient que le temps passe vite. Najua kusema wakati inapita ya haraka sana. Alléluia. Amen. Il y a Jean-Paul II qui a écrit un livre. On a Jean-Paul II, il a écrit un kitabu. Même Benoît XVI qui a écrit aussi un autre livre. Attends, Benoît XVI, il a écrit un kitabu kingine. L'un de dit. Umoja wabo anasema. Christ n'était pas né en l'an 1. Christo akuzalika kapan mumwaka 1. C'était en l'an 6. Christo akuzalika kapan mumwaka 6. Si vous soustrayez ces 5-6 ans. Kama unatosha ile miaka tano, miaka sita. Là, vous retombez à 2027. Allez, on a un goût cap 2027. Frère. Pandukuya. Dieu n'est pas dans les temps. Mungu, hanamu miaka tiapana. Dieu n'est pas dans les dates. Mungu, hanamu matare. Dieu est dans sa parole. Mungu yeye eko jondani ya neno lake. Alléluia. Amen. Nous essayons seulement de réfléchir sur ces choses. Tukuna pima tu kuwaza tu yulu ya ile. Comme David qui disait dans Psaume. Kama vile Daudi alikuwa akisema mzaburi. Quand j'ai réfléchi à mes voies. Wakati nafikiri yulu ya manjia zangu. Et quand on considère toutes ces choses. Wakati unatazama hii maneno haya yote. Il n'y a plus de temps. Nikusema, seme, akuna tena wakati.
Hakuna, hakuna, hakuna. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Et même, si je peux me l'autoriser, comme d'ailleurs vous dites pas tiens au russe, je ne sais pas si ça pourrait être le dernier voyage ou pas. Si tu es comme d'ailleurs quand d'autres affaires, y a moins choisi à ou pas. Si je dois mettre encore 3 ans ou 4 ans pour revenir, nous ne savons pas ce qui peut advenir. En d'autres termes, nous commençons à prêcher et à dire au revoir. Amen. Amen. Être sûr que vous avez le nécessaire pour votre préparation. Kwa na tikisha kusema ukuna ile ya kufai tu ya matayarisho yako. Vous manquez l'enlèvement, votre sang retombera sur votre tête. Unakosa kunyanyuliwa damu yako itaangukia paka pa kichwa yako wewe mwenyewe. Parce que ces choses sont tellement évidentes. Hii maneno haya ni ya kweli, ni ya kweli kabisa. Si vous ne voyez pas, kama wewe aone, c'est que vous êtes aveugle. Ni kusema uko kipofu. Si vous ne croyez pas, kama waamini, c'est que vous êtes incrédule. Kusema uko mtokuamini. Parce que les choses sont tellement évidentes. Vitu vinaonekana tu wazi ndio vile. Mes frères et mes sœurs, Banduku na badada yangu, la fin de toutes choses est proche. Mwisho ya vitu vyote ni karibu. La fin de Rome. Mwisho ya Roma. La fin du catholicisme. Mwisho ya kikatolika ya Roma. La fin de la papauté. Mwisho ya kipapa. Je lis frère Branham. Na soma tena nduku Branham. Pour montrer où en est aujourd'hui l'écuménisme avec toutes les religions mondiales. Umoja wa makanisa yote duniani mzima leo inafikia wapi? Et les techniciens vont nous mettre juste une vidéo. Ba techniciens batu ekeye vidéo tu moja. Il faut Afazali qu'ils le mettent. Bayouéke. S'il faut reprendre, qu'on reprenne. Amen. Parce que nous devons tenir, parodier potena. Afin que tout soit clair pour chacun de nous. Ivioté ipate kwa wazi kwa kila mmoja wetu. Amen. Amen. Je relis les actes du Saint-Esprit. Nasomo lula maubiri matendo ya Roho Mtakatifu. Je pense que l'un de ces glorieux jours. Quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Et cette prophétie, je me suis toujours posé la question, c'est laquelle dont Frère Branham parlait? Selon la prophétie, alors on formera une image à la belle. J'arrête là. Si la projection est prête, la confédération des églises est déjà très avancée. Confédération des églises, c'est ce que tu offres. Sana. Le congrès des responsables des religions mondiales. Bonjour à tous, Anour Sultan, ce mercredi dans cette capitale. Bonjour à tous, Anour Sultan, ce mercredi dans cette capitale du Kazakhstan. C'est la première fois depuis son lancement en 2003 qu'un pape vient ouvrir le congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles aux côtés du président kazakh. Alors certes, il y a des absents et non des moindres, le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, dans ce contexte de guerre en Ukraine. Mais cette image vaudrait quand même une carte postale, cette immense table ronde avec les quatre responsable de délégation des chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, zoroastristes, shintoïstes, selon l'expression du pape François, tous filles et fils du même ciel. Nowadays, the hate is augmenting. So we need to learn from each other. We need to build those bridges between
our different partners, let me say, and brothers and sisters. Every day I think of the persecuted Christians. It is vital that I carry those Christians in my heart to a meeting like this. We do not hide away the real problems. I also stand, for example, with Rohingya Muslims in China, with those in Myanmar who've been persecuted. And then when we do that together, we share a concern for those who lack freedom of belief across all faiths. Then I think we begin to understand how to engage with those of other faiths who suffer. Pour répondre à la soif de paix du monde et à ces questions existentielles, le monde a besoin de religions authentiques, l'âme éveillée et l'esprit lucide, selon l'expression du poète et sage musulman Abaï, longuement cité par le pape François. Il faut que ces religions prennent toute leur place dans nos sociétés. È venuta l'ora di destarsi da quel fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo. L'ora di rendere limpido e compassionevole il cuore, ma è anche l'ora di lasciare solo ai libri di storia i discorsi che per troppo tempo qui e altrove hanno inculcato sospetto e disprezzo nei riguardi della religione, quasi fosse un fattore di destabilizzazione della società moderna. Le pape François a pris le contre-pied de l'athéisme d'hier, bien connu en ex-URSS et d'aujourd'hui dans nos sociétés postmodernes. Les religions ne sont pas un problème, mais une partie de la solution pour une coexistence plus harmonieuse, a-t-il argumenté, en partageant sa réflexion dense sur le monde d'après la pandémie, une réflexion centrée sur la valeur et la dignité de toute personne humaine, à commencer par les plus vulnérables. La recherche de la transcendance et la valeur sacrée du Kazakhstan, c'est la première fois depuis son lancement en 2003 qu'un pape vient ouvrir le congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles aux côtés du président kazakh. Alors certes, il y a des absents et non des moindres, le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, dans ce contexte de guerre en Ukraine. Bonjour à tous, à Nur-Sultan, ce mercredi dans cette capitale du Kazakhstan, c'est la première fois depuis son lancement en 2003 qu'un pape vient ouvrir le congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles aux côtés du président kazakh. Alors certes, il y a des absents et non des moindres, le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, dans ce contexte de guerre en Ukraine, mais cette image vaudrait quand même une carte postale, cette immense table ronde avec les 80 responsables de délégations, des chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, zoroastristes, shintoïstes, selon l'expression du pape François, tous filles et fils du même ciel. Nowadays, the hate is to a meeting like this, we do not hide away the real problems. Learn from each other, we need to build those bridges between our different partners, let me say, and brothers and sisters. Every day I think of the persecuted Christians. It is vital that I carry those Christians in my heart to a meeting like this. We do not hide away the real problems. I also stand, for example, with Rohingya Muslims in China, with those in Myanmar who've been persecuted. And then when we do that together, we share a concern for those who lack freedom of belief across all faiths. Then I think we begin to understand how to engage with those of other faiths who suffer. Pour répondre à la soif de paix du monde et à ces questions existentielles, merci. Le monde a besoin de religions authentiques. Accenti. Je voulais juste qu'on voie que pendant que chaque jour nous venons ici, nous rentrons, toutes les religions du monde sont en train de s'unir. Et bientôt aussi, la pression va commencer. Je lis un peu Frère Franck. À la page 9 où nous étions, à l'avant-dernier paragraphe,
Franck dit, donc Franck est connu à plusieurs se demandent. What do we get when we're doing this? C'est pour tous ceux qui ne se plieront pas devant ce processus d'unification. Kama kubale bot abate chikiaka i mandamano ya maungano ya makanisa. La liberté de foi. Ouria imani. Et des paroles. Na ya masauti. Ne leur sera pas limité. Aita kwa mipaka kwa bo. S'ils ne seront pas exposés à la persécution. Ceci concerne avant tout ceux qui sont véritablement fidèles à la Bible. Et qui ne pourront pas se joindre à l'œcuménisme. Car il leur est impossible de faire un compromis au détriment de la vérité. Ils doivent obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Cette grande réunion de toutes les religions mondiales était convoquée à Kazakhstan. I kusanyiko kubwa ya makanisa yote ya dunia mzima baritaka ilifanyika kule ku Kazakhstan. Toutes les religions étaient là. Madini yote ilikuwa kule. Le seul absent, kwa moja tu ya siku yake hapo, c'était le patriarche Kirill. Alikuwa ni patriarche Kirill. C'est lui qu'on peut nommer aussi les papes de l'Église orthodoxe. Alléluia. Amen. Et c'est pratiquement dans le contexte de la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Même son absence avait engendré un peu de différends. Différents. Oui, mes frères. Donc, en d'autres termes, ce pape venant de l'Amérique, oui, papa, établi maintenant au Vatican, on voit que l'œcuménisme aussi atteint son apogée. Et quand cela atteint l'apogée, il y aura maintenant une contrainte à toutes les religions mondiales d'adhérer à cette unité. Comme nous l'avons toujours prêché, nous répétons encore, nous n'entrerons jamais dans l'écuménisme. Amen. Amen. Frère Branham m'a expliqué. L'écuménisme. C'était exactement comme la fête de Moab. Les Moabites étaient descendus de Lot. Israël est descendu d'Abraham. Israël revenait de la servitude d'Égypte. Et quand ils arrivent à Moab, Moab a fermé les chemins à Israël. Et comme Balaam avait échoué de maudire Israël, c'est Balaam qui a conseillé à Balak d'organiser une fête et d'inviter les enfants d'Israël à cette fête. Il est convaincant, nous sommes tous les mêmes. Parce qu'Abraham et Lot étaient oncle et neveu. Et Israël avait accepté. Israël était là à la fête. Israël est tombé. Israël a kanguka. Israël a mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Israël s'est prostitué. Israël a kasharatika.
et Dieu était fâché. Tu as puni Israël. Et ce jour-là, je crois, 22 ou 23 000 enfants d'Israël étaient pendus en plein jour. Il est sûr que 23 000 enfants d'Israël ont tout dit pour toi. La colère de Dieu s'était enflammée contre Israël. Pendant qu'on pendait tous ceux qui s'étaient prostitués, un enfant d'Israël s'amène aussi avec le Moabit. Pour rentrer dans la tente et se prostituer. Moïse. Moussa. Aaron. Arouni. Eliezer. Était à la tente d'assignation. Il implorait la miséricorde de Dieu. Afin que cette colère de Dieu s'arrête. Mais là, un enfant d'Israël s'avène avec une Moabite. Pour aller dans la tente. Et se prostituer. Finé qui était aussi à la tente d'assignation. Finé, qui a vu ça. Il n'a pas attendu d'ordre. Il s'est levé lui-même. Poussé par la colère. Il est entré dans sa tente. Il a pris sa lance. Il a poursuivi cet enfant d'Israël. Il est entré dans la tente. Il les a trouvés en train de se prostituer. En plein accouplement. Il a pris sa lance avec toute sa force, avec toute la colère. Il a enfoncé la lance au travers des deux. Il a retiré sa lance. Les deux s'étaient séparés. Et c'était une occasion pour Finé d'enfoncer maintenant sa lance au bas ventre de l'enfant d'Israël, au bas ventre de la fille Moabite. Et quand il sort de là, les deux morts, Dieu dit à Moïse, ce qu'a fait Finé, cela vient de calmer ma colère. On ne doit plus dorloter le péché. On doit connaître le péché. Parce que Jésus est à la porte. Amen. Amen. Avant de terminer, nous parlons de la fin de la papauté. Nous parlons de la fin de Rome. Nous parlons de la fin du catholicisme romain. Et tout cela arrivera à cette guerre d'Armageddon. Comme je disais vendredi, Frère Franck écrit. Donc Franck Anandi. Et il dit à cette guerre, il y aura trois attaques. La première attaque, la Russie détruira l'Amérique. Russia atabomona America. C'est l'accomplissement de la septième vision de Frère Branham. Saba, septième. Qu'il avait eu en 1933. C'était un matin de dimanche. À peine qu'il venait de se réveiller. Cette vision était passée devant lui. Mais la septième. Frère Branham dit qu'il avait entendu une forte explosion. Il se retourne pour voir. Il a vu toute l'Amérique ensemble. C'est la fin de l'Amérique. Tout est ensemble. Oui. Dio.
les experts militaires russes. Ayouai, Mukaja Kiaskari, Yaba russe. Aujourd'hui, Léoï disent que ce n'est même plus nécessaire d'envoyer des missiles intercontinentaux. Manasema, si Faïda Koutoupa, il est ma missile intercontinentaux. Non. Attends. À partir seulement de l'océan. Quand j'ai tout, il est océan. Sous-marin. Sous-marin tout moja. Il va envoyer un missile. Kamatoubara tout tout missile moja. Qui va tomber dans le volcan. Itangu kamou il est volcan. Ce qu'on appelle les Yellowstone. Il est banéta sema Yellowstone. Alléluia. Amen. C'est à l'ouest des États-Unis. Niku ouest des États-Unis. Il y a un volcan. Un volcan moja. Il n'est pas tellement actif. Aïna tout na toucha moto zaïna. Il ne dort pas. Aïla la pana. Il y a l'eau qui bou. Un amaïku inatenka. On appelle ça Yellowstone. Banaïta il a sema Yellowstone. Allez chercher ça sur Google, vous allez trouver. Mouta mouta il pour Google mouta ipata. Si on jette là. Kama tu bara tout pas missile ou coule. Missile entre dans les volcans. Missile n'engue mouille le volcan Yellowstone. Et toute l'Amérique va être balayée par la larve. Amélie Kayote, ni Maya Moto, Itaï Choma. Peut-être ici vous ne comprenez pas bien. Pengine Uku Amuele au Bizuri. Il faut être une fois à Goma. Fika Toma la Moja Kuleku Goma. Parce que là, il y a Nirangongo. Tu coules kuna Nirangongo. Et quand le volcan se réveille, quand le volcan est lamuka, c'est du feu qui sort. Et au passage de ces larves, est réduit en cendres. Oui. C'est la septième vision. Il est ono ya saba ile. C'est la première attaque. Toko kombanisha kwa kwanza. Et l'Amérique est éliminée. America bana mwina. L'empêchant de venir dans cette guerre de l'Armageddon. Makamuzuiza ashikafike mwile vita Armageddon. Parce que l'Amérique prend position toujours pour Israël. America ne kalaka na semeye kila wakati Israël. Et quand l'Amérique est éliminée. Wakati America bana mutosha mo. C'est alors que la Russie descendra. Topa le sasa Russie atashuka. Et sera à la tête de tous les pays arabes. Atakwa kukichwa ya bainchi yote ya Kiarabu. Par le fleuve Euphrate. C'est ça le chemin de l'Armageddon. Pour aller combattre contre Jérusalem. Et Rome aussi. Roma nae ville ville. Montera à la tête de toutes les autres nations. Pour aller combattre contre Jérusalem. C'est ainsi que toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Mais Dieu lui-même, le puissant conquérant, descendra et viendra combattre contre toutes ces nations. La Bible dit, il protégera d'abord la tribu de Judas. Parce que c'est la tribu royale. Il protégera toute Jérusalem. Il dit, jamais forcerai de détruire toutes les nations qui viendront combattre contre Jérusalem. Et il détruira toutes ces nations. Après la victoire de l'agneau. Après l'échec de toutes ces nations. Ça, c'est la deuxième attaque. Et quand ils seront rentrés chez eux. La Russie fâchée de l'échec. Va jeter une bombe à Rome. Et Safre Branham le dit. Dans sa prédication, le sceau de Dieu. Et là, il dit expressément. Wazi wazi. Ainsi
dit le Seigneur. Anasema tu wazi wazi hivi Bwana Mungu anasema. La Russie. Russia. Jettera une bombe à Rome. Atatupa bomba kule ku Roma. Et quand cette bombe tombe sur Rome. Pale ile bomba inangukia yule ya Roma. C'est la fin de Rome. Ni mwisho basi ya Roma. C'est la fin de la papauté. Ni mwisho ki papa. Il n'y aura pas de 267e pape. Akuta kuyaka 267e papa. Et c'est la fin du catholicisme romain. Ni mwisho ya ki katolika ki Roma. Parce qu'après, chunyuma, c'est le millénium qui doit commencer. Millénium jo afazari anze. Là, c'est Christ notre Seigneur. Pale ni Kristo bwana wetu. Qui sera le seul Seigneur des Seigneurs. Atakuwa peke yake Bwana baba Bwana. Le seul roi des rois. Atakuwa peke yake mfalme wa mafalme. Apocalypse 18. Ufunulo 18. Verset 4. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point part à ce fléau, car ce péché se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses œuvres. Anakumbuka maovu yake. Payela. Mumulipe. Mumulipe. Payela. Ame la paye. Sabina yare ripana. Amen. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Mumurudishie mala mbili kufuatana na matendo yake. Dans la coupe où elle a versé. Ile kikombe alimwanga. Versez-lui au double. Ile kumwangia yo mala mbili. Autant elle s'est glorifiée. Hata vile alitukuza. Et plongée dans les luxes. Kujiweka mu luxe. Autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine. Je ne suis point veuve. Je ne verrai point de deuil. À cause de cela. En un même jour. Ces fléaux arriveront. Fika, la mort, l'oufo, le deuil, kirio, la famille, djala, et il sera consumé par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous continuons avec autre chose. Inclinons tous nos têtes. Méditons. La chorale peut nous entonner un cantique. Nous chantons. Et notre berger veut nous conduire en prière. Thank you.
Mamé. Yeah.